Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit stream, voilà, un petit stream random. Il n'y en aura pas, il n'y aura pas mercredi, il n'y aura pas jeudi, il n'y aura pas vendredi. Voilà, il n'y aura pas samedi matin non plus. Actuellement, j'ai potentiellement le mort. J'ai même beaucoup le mort, mais bonjour monsieur Hugo. Mais en vrai, ça te plairait comme jeu en vrai cette saison-ci. Par contre, 11 mois. Donc là, en gros, ça veut dire que j'ai un mois pour dessiner l'emote du 12e abonnement. Parce que l'emote du 12e abonnement, faut que je la dessine, elle est pas encore faite quoi. Ok, ça me mettrait bien. Alors je me bouge le cul. Mais merci évidemment du. Sur un stream Fortnite en plus, c'est top 1 maintenant, bon, mais bon, à part tout ça, ouais, du coup, pas de stream, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi, parce que évidemment, comme un débile, avec une bande de potes, on s'est engagé dans notre boulot à aider notre boîte un samedi, 10h-17h, bon, voilà, vite fait, j'ai le mort, hein. Voilà, ça vous met dans l'ambiance, mais voilà, je vais essayer de voir pour les streams, mais au moins samedi matin il n'y a pas de stream quoi. Mais voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, et puis on va essayer de stream écoutez, demain et après-demain, et puis voilà, un peu de Fortnite, un peu de Pokémon Réunion, et puis voilà. Donc on va démarrer ce jeu tout de suite, parce que moi j'ai vraiment ma chanson dans les oreilles, et c'est vraiment un enfer à titre personnel quoi. Alors non, c'est pas Valorant qu'on va prendre, hop. Bonsoir, salut Dot King, comment ça va? Ce que j'aime, c'est que je ne sais plus combien je paye pour l'abonnement, ni tous les combien. Bah, normalement, tu te fais douiller de 2-3 balles par mois, je crois. Hein. Je crois que c'est une connerie comme ça. Enfin, en fait, tu te fais quand même douiller, en vrai. C'est un peu triste, malheureusement. Mais ouais, tu te fais douiller de 2-3 balles par mois, je crois. Hein. Tout ça pour pas avoir de pub sur mes streams. Bon, c'est pas non plus... pas beaucoup de streams, pas beaucoup de pubs, parce que moi-même, je programme pas beaucoup, et je crois que Twitch m'oblige à en mettre toutes les heures. Bon, ça, c'est un peu casse-couille, Twitch, mais... J'ai rien dit. Il te reste 17 jours avant les 12 mois. Quoi? Comment ça il me reste? Non, attends, c'est... Quoi? Mais mon affiliation, je l'ai eu... Mon affiliation, je l'ai eu en... Le 20 novembre... Le 20 décembre, non? Le 21, je crois. Je comptais faire un mini-stream un peu spécial pour l'occasion. Mais... Ah, je l'ai fait tous les 6 mois, tu m'étonnes que je vois jamais l'argent partir. Mais, enfin, c'est quoi ça? Ok. C'est vrai que la première fois, t'avais pris pour les 6 mois, mais je pensais qu'après, t'avais pris... qu'après, t'avais pris pour tranquille, quoi. Enfin, pour... Ok, ouais, tu t'es fait douiller. Écoute, c'est très gentil d'avoir confiance en moi, de me dire que 6 mois après, ma chaîne existe encore, c'est très gentil. C'est... Émotionnellement, c'est fort comme impact. Ouais, super, et toi? Bah, en vrai, j'ai un peu le mort, mais bon, on va dire que la semaine va compenser un peu ça. Je suis en semaine d'examen, j'ai un oral blanc à passer. En fin de semaine, j'ai envie de mourir. Parce que, à titre personnel, les oraux blancs, je vais forcément le rater. Parce qu'un oral blanc est devant une dizaine de personnes. Même si on fait par Discord. Bon, certes, c'est un avantage. En revanche, à côté, il y a... Il y a quand même le vrai oral qui se passe en décembre devant deux personnes. Voilà, vous pouvez être sûr que devant les deux personnes, je vais pas stresser, j'en ai rien à foutre en fait. Par contre, devant la dizaine de personnes, là, je vais bégayer sec. Hein. T'inquiète, je regarde jamais, car j'ai très rarement le temps, mais je payerai quand même. Ah ouais. Bah écoute, je comprends tout à fait. Hein. Je comprends tout à fait. Je vais pas juger ça. Oral par Discord, pourquoi j'ai pas eu ça? Non, mais c'est un oral blanc. C'est un oral blanc. C'est genre, en fait, on est avec la ville de Lyon. Et du coup, ben, on est... notre formatrice, du coup, nous a dit, vous passerez en vocal pour que tout le monde le voit, quoi. Bon. Si la cam, elle est allumée, ça va être un peu cringe, mais bon. Je pense qu'elle le sera, malheureusement. Si vous rigolez, j'ai joué 230 à Réunion, pas trouvé le code. T'as pas trouvé le code? Après, faut faire tous les écrans... Essaye de faire les écrans des lieux, je pense, principaux, en vrai. Genre, moi, là, tu vois, j'ai fait l'écran... J'ai fait des écrans, je suis tombé chez le professeur Chen, chez Red, j'ai tout fait. Et t'as pas trouvé le code?
Attends, t'as pas trouvé. T'as trouvé les. Attends, si t'as tout fait et que t'as pas eu d'ordinateur, soit la faille peut être révolue, soit. Ah, faut me remercier le chauffeur. Merci monsieur! Soit en effet la faille peut disparaître après le chat. Après le... Ouais, tu demandes en fait si la. J'en ai que 4. Ah ouais? C'est bizarre ça. Moi je suis déjà à combien? Oh, je suis pas la feuille, c'est mes yeux. On va aller par là. J'avoue que j'en ai 4 aussi pour l'instant. J'avoue que c'est un peu bizarre ce truc là. Après moi de mon côté aujourd'hui je vais pas en trouver parce qu'on va faire le truc d'Everett, donc on va vraiment pas avancer pour le coup malheureusement. Mais c'est bizarre cette histoire, on trouve que 4. On va piquer un sprint. Ah, je déteste courir dans Fortnite quoi. Je peux avoir une arme en vrai, juste histoire de dire que j'ai fait un truc. Vous y croyez à ça là? C'est dingue un peu ce qui se passe là. C'est un jeu de merde Fortnite un peu. Je pense qu'il y en a 7. Alors, combien il y en a? Alors, moi, ouais, ça, je peux le savoir. Il y en a 6, je crois, normalement, des chiffres à trouver. Si ma mémoire est bonne et que ça n'a pas changé. Attention, deux variables dont je ne suis pas sûr. Il y a 6 chiffres à trouver. Alors, toujours, je t'aime beaucoup, mais là, je peux pas me battre. J'ai pas d'armes à distance. Chapitre 2, c'est le truc d'Everett, je crois. Non, non, le truc d'Everett, c'est les. Tu sais, c'est les failles un peu bizarres à trouver. Donjon mystère et tout le tralala. Ça, je l'ai pas encore fait du coup. Ah ouais, en fait, là, le jeu me donne aucune arme, quoi. Alors, c'est grave d'être comme ça, hein. Merci, je n'en ai pas. Et désolé des dégâts que causé. Bien sûr. Ah, merci. Pas ce que vous pensez, bien évidemment. Ok, ce truc d'Everett c'est super long. Le truc d'Everett c'est relativement long. Mais c'est relativement long parce que c'est. Enfin, moi j'ai passé du temps la première fois à titre personnel parce que j'étais con. Pour le coup. Je sais pas comment ça va se passer cette fois. Je m'attends pas non plus à un truc extraordinaire, mais il y a un mec là-bas. Ok, donc c'est ça d'être une merde. Ok, en vrai ça m'aide très bien, on va ralentir tout de suite. Au lieu d'avoir le sel encore en nous, on va ralentir tout de suite. Parce que je l'avais vu depuis 10 ans, j'aurais pu lancer une bombe et ce serait déjà fini malheureusement. Mais voilà, vous êtes malheureusement avec un des pires streamers qui existent, les amis. On va en faire quelques-uns, on va pas en faire beaucoup parce que de toute façon on a... J'ai pas envie de flex, bon on l'a déjà notre top 1 pour le Panthéon, donc on va essayer d'en refaire un deuxième pour... Évidemment pour le level et pour le flex. Mais oh là 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 là. Une des meilleures séries Marvel qui existe dans le top 3 à titre personnel. Ok les amis. Dans mon ranking, il y a vraiment Loki, WandaVision, Hawkeye quoi. Et le reste un peu en dessous quoi. Mais Hawkeye c'est vraiment... J'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette série quoi. Après peut-être que de base le fait que j'aime le perso ne me rend pas très objectif, je vous l'accorde. Ah ouais.
Je regarde Avengers là, avec Loki. Très bon choix. Très bon choix là. Alors là. Là c'est un chef-d'œuvre, tranquillement. Enfin. Un chef-d'œuvre qui a un peu vieilli, mais un chef-d'œuvre quand même, quoi. Merci monsieur! Oh putain, je vais bouffer du train avec le train là. Par contre, je vais vous avouer un truc que j'ai fait hier soir. Hier soir, j'ai retéléchargé Pokémon Réunion une deuxième fois. Et j'ai fouillé les fichiers du jeu pour choper la musique de Lilith, puisqu'elle n'était pas sur YouTube. Et enfin, j'ai pas trouvé de pas, trop personnel. Et je l'ai foutu dans mes écouteurs toute la journée, quoi. Voilà. Voilà, en termes de matrixage à titre personnel, je suis un petit bon exemple de quelqu'un qui s'est matrixé par le. Par un truc. Ah ouais, c'est bien ça les bombes collantes dis donc là. Je l'ai revu il y a 2-3 jours et franchement il a tellement de bonnes choses par rapport au film récent. Enfin, des blagues et des réflexions et son année au général. Avengers? Ouais. En fait le seul truc que. Moi je l'ai revu au cinéma il y a 2-3 jours aussi. Franchement il. À part quelques costumes qui ont vieilli, genre c'est le Captain, il est. En vrai je le trouve ignoble aujourd'hui. À part ça, en vrai, je trouve qu'il est très très bon et c'est sûr que. Ouais, il faut pas comparer au film de maintenant, parce que le film de maintenant de Marvel, je pense qu'il se trouve pas ce qui s'est passé entre temps, mais. Je sais pas, il devrait y avoir plus de moyens, ça devrait être plus qualitatif, hein. C'est pas normal ce qu'ils nous offrent. Hein. Après, bon toi Hugo, je pense que tu kifferais pas spécialement, mais à titre perso, The Marvels, pas nul à chier, tu vois, mais bon. Après, on va pas oublier qu'ils ont quand même sorti Ant-Man 3 cette année, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc qu'on peut se permettre d'oublier, quoi. Ah ouais, un pont comme ça? Très gentil. Je finis mon film, je repasse après. Pas de soucis, profite bien du film. Mets bien le son à fond, profite des musiques, des personnages, de tout. Avengers, oh là là. Vu au cinéma, ça aussi, hein, à l'époque. Hein. Je me casse. Le coffre, on s'en fout pour l'instant. On va essayer de le casser avant que la zone nous pète la gueule. J'aime beaucoup l'utilisation du shield dans Avenger 1. J'aime aussi beaucoup l'utilisation du shield dans Avenger 1. Ce qui est con, c'est que le shield, au final, est très sous-coté dans. Bah, Hydra aussi, en fait. Les guerres comme ça des deux organisations, au final, elles sont très sous-cotées dans. À part dans Avengers, dans Captain America 2. En fait, le shield, bah, tu l'as pas énormément. Puis Hydra, il se fait défoncer en un truc, quoi. C'est horrible, quoi. En vrai de vrai, c'est hardcore. Hein. Marvel, j'attends de voir. En vrai, tu vois, c'est pas un chef-d'œuvre. T'es pas là en mode waouh, tu vois. Mais t'es là en mode ouais, en vrai, ça se regarde, quoi, tu vois. Là où Ant-Man, t'avais envie de vomir et de sauter du haut d'un pont à chaque scène, là, pas trop, quoi. Compliqué de profiter avec une femme qui est au téléphone avec sa copine. Bah écoute, profite comme tu peux. Oh merde, faut attendre. Ah oui, on lance grenade directement. Oh, t'es tellement cool. Ok. Du coup, faut pas prendre en compte mon conseil du son à fond, bien évidemment. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le cube, ok. Ouais, je mets mon petit rangement de bureau aussi pendant ce temps-là.
Je sais avancer le dérochage de Pokémon Réunion, bon, du premier épisode, j'ai toujours pas fini, je suis en mode merde. J'ai le temps de vous finir Marvel Snap, la vidéo pour mercredi. Elle est relativement courte, finalement, il n'y a pas beaucoup de montage. J'avoue que j'ai pas été... Oh, excusez-moi. J'ai pas été méga inspiré au final, hein. C'est pas... En fait, c'est dur de faire des montages sur certains jeux, je trouve. Marvel Snap, c'est partie des jeux les plus durs que j'ai eu à monter. Avec Ranking, mais Ranking c'était le pire. Hein. Ranking, j'ai eu énormément de mal à trouver un montage qui me plaisait assez. Bon, au final, je me suis gâté sur un truc. La Pokémon Réunion, j'ai déjà plein d'idées. Toi, Hugo, Hugo, je sais que t'es pas trop fan des défis. Par contre, Pokémon Réunion, il y a un monde où tu kiffes parce que c'est pas un défi, tu vois. C'est juste un peu dur, mais bon. Voilà, c'est un jeu Pokémon classique. Il y a un monde où ça te plairait, toi. Donc, c'est pas aussi dur que Pokémon. Enfin, je pense que Pokémon est un peu plus dur pour le coup. Mais. Après, je sais pas si t'aurais toutes les refs aussi des trucs, c'est souvent des trucs de l'animé aussi. Moi j'ai aucune ref, je suis vraiment une merde, mais... Ils ont dû garder AOS Canon pour les premières saisons, genre réellement Canon, tu sais, serait inséré dans le MCU actuel. Sinon, on aurait pu pousser les fans à regarder AOS, en plus je dirais, je suis sûr de l'air voir. Donc je pense que c'était bon, c'est Marvel Netflix. Bah, moi je pars du principe que, pour l'instant, les séries Marvel, encore, enfin les séries de Netflix, encore plus qu'un genre Shield sont Canon, parce qu'ils ont littéralement repris les mêmes acteurs, et que les acteurs ont dit que c'était les mêmes personnages. Mais après, c'est vrai que pour Agent of Shield, au moins pour les 4 premières, ils auraient dû les laisser, en vrai. Même si les autres, bon, je peux finir un peu, mais bon, je peux comprendre, mais les 4 premières, ouais, les 4 premières, c'est chaud, quoi, c'est... C'est un truc, t'aurais pu développer un lore que tu pouvais pas faire dans les films, quoi. Genre les inimes, hein, par exemple, quoi. Oh là là, oh là 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 là, oh là là là, oh là 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 là. Après, je vais essayer de niquer celui-là là. Oh merde. Bah go. Ah ouais, j'ai pris des dégâts de chute comme ça, ok. Ok, mais moi j'ai abandonné quand j'ai supprimé qu'on pouvait pas avoir de légendaire. Pokémon Réunion, tu peux, mais c'est relativement limité quoi pour. Pour coller au côté des îles. Personne ne rush quoi. Ça aurait été iconique qu'on vienne nous rusher des îles. Alors, on va toucher une fois. Bon, tu trolls là. Oh, toi, tu m'as trollé là. Excusez-moi, je peux jouer en fait ou c'est comment là? Faut que je purge toute la ville là pour me déplacer les gars ou... Hein? Merci. Bon. Waouh les gars. Juste au cas où, renseigne-toi mais... On vient encore de me dire que le truc d'Everett c'est chapitre 2. Le truc d'Everett c'est chapitre 2? Bon bah... Je regarderai un petit coup mais c'est un peu dommage. Ok. Ça me ferait... Je vais le faire pour l'instant parce que c'est dans la suite de... C'est dans le sud de l'histoire, mais ok. Non mais attends, je suis une merde. Oh, un mec est mort ici. Encore. Ah ouais, c'est prévu que je me le refasse après House of Cards. Plus Gilmore Girls, c'est quoi ça? Bon, même ça, je connais même pas de nom. Qu'est-ce que c'est que Gilmore? Comment t'es tombé dessus? Qu'est-ce que c'est? Gilmore Girls. C'est bien parce que t'es vraiment le seul mec que je connaisse qui enchaîne autant les longues séries, quoi. Genre, même moi qui adore les séries, j'ai du mal à me refaire des séries qui sont très très longues, même si t'en as que j'adore et que je leur fais. Ce truc avec la boum, cette merde là. Oh putain. Ok, y'a un coffre que personne n'a pris, parfait. Je vais poser la question à l'histoire de cam. Ok, bah merci patron. Ouais, ça paraît bizarre que ce soit le chapitre 2, enfin.
Je comprends que ça le soit, mais ça serait... Bon, c'est dommage, je n'ai pas le mot, mais... Ça tire par le bas, on va aller péter la gueule aux gens. Hein. On a déjà tué 3 personnes, on est pas mal, par contre on a 59 de points de vie et 100 de shield quand même. Ok. Une série des années 2000 sur une mère et sa fille très proches en âge avec la fille qui est une nerd axée dans une bonne école et elles sont jolies. Ok. C'est un drôle de pitch ça quand même pour le coup, mais ok. Le pitch c'est presque à mourir de rire quoi. Par contre je vois pas comment on en fait une série, mais ok. À toi de t'être sacrifié pour mon bonheur en vrai. Il y a combien de saisons de ton truc Gilmore Girls? Non, si tu me dis qu'il y en a quand même plus. Si tu me dis que c'est aussi long qu'un The Mentalist ou un House of Cards, pas que j'aurais du mal à te croire, mais un peu quoi. Eh, c'est sur ce pont que j'ai tué quelqu'un quand j'ai joué une fois, mon frère était au bord de la syncope en me regardant jouer. Après si tu veux je peux changer un peu le format Panthéon, je peux faire, j'apprends aux gens à jouer au jeu, tu vois, et puis je te coach un peu sur Fortnite, tu vois. Ouais, c'est pas moi qu'il faudrait pour coacher, mais bon. 153 épisodes de 42 minutes, 7 saisons. Waouh. Ah ouais, ok. Ouais, j'aurais jamais dit que c'était une série longue là, avec ton pitch. Hein. Oh, t'es où? Faut à tout prix que je le vois avant que lui me voit. Ah, Spider-Man m'a tué! Il y avait un fusil d'assaut, j'en avais plus, j'ai mort. Bon, c'est une dernière, on partait sur Pokémon. Ah, Pokémon Réunion, tu m'as manqué. Avec une petite image à Speak Shiny. Je flex un peu, mais j'en suis très très fier de mon Speak Shiny. Vous allez me entendre tellement me sortir souvent ce Pokémon. Bon, certes, en trichant. Certes, mais... Hey, j'ai 22h38, ça passe tellement vite. Oh là là, quel personnage copier-coller de Valorant, les amis! Ou Valorant qui a copié, j'en sais rien. J'en sais rien. Non, 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 je viens de comprendre. Non, 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 c'est pas libre de droit, ça, sur Twitch. Ciao, ciao! Alors faudrait que je vous retrouve des trucs pour faire du react, mais j'aimerais faire du react genre légalement. Genre au point de pouvoir vous sortir sur YouTube après en fait. Ah mais c'est le même perso. Parce qu'en fait le truc c'est que si je vous fais des reacts, en fait je pourrais faire des reacts des trucs à la con. Genre que j'adorais regarder quand j'étais gosse, des trucs genre un dîner presque parfait ou maison d'hôte. Vous voyez des trucs à la con qui durent une semaine entière. Et moi j'étais en mode, ah ouais mais en vrai... Ça serait un gros banger de regarder ça, mais en fait c'est pas légal quoi. Donc c'est un peu chiant. À moins que je contacte TF1 et que je leur dise bon les gars, petit partenariat. Je pense que TF1 ils vont me regarder, ils vont dire PTDR, t'es qui, casse-toi quoi. Petite like à mes vidéos. Voyons.
Je les ai déjà toutes vues, patron. Pardon. Il y a mon viewer fidèle, c'est... Je faut qu'il y ait une notif, ça clique. Pas d'arme au bord, enfin. Est-ce que je vais être bloqué par... Et... Salut! Même pas de ta parole. Non mais en vrai, faut savoir une chose aussi. Mesdames et messieurs, des gens qui regarderont les rediff ou quoi. Monsieur Hugo Chap a une chaîne Twitch, donc il n'y a pas de vidéo, certes. Mais il y a une chaîne YouTube qui a des vidéos. Dessus, il y a des Mindshaps. Sur les Mindshaps, mesdames et messieurs, vous avez un montage, je n'ai pas sous-estimé, mais surtout une bonne qualité de son et de contenu, bon c'est sûr, hein, mais... Que je suis dedans. Pardon. Mais voilà. Mais également les amis, pas l'oublier. Monsieur Chap est en train de reproduire un. Enfin de reproduire. De produire un Discord qui s'appelle Le Fournil. C'est toutes les personnes qui sont. Pas que je merde la pub parce que je la connais pas par cœur. On va faire un truc à l'oral. De toute façon, ça sera peaufiné un jour, mais. Toutes les personnes intéressées par le métier de la boulangerie, que ce soit pour bouffer, ou pour produire, ou de la pâtisserie, ou tout le milieu du. J'aime pas cette expression, on va dire les métiers de la bouche. Mais qu'est-ce que j'aime pas cette expression, c'est horrible. Je sais que c'est l'expression que tout le monde utilise, hein. Je le vois sur le serveur, hein, mais c'est horrible. Eh ben, vous pouvez rejoindre évidemment le Fournil, qui sera un lieu où vous allez avoir des pâtissiers, des pâtissières, des boulangers et des boulangères qui vont vous guider, quel que soit votre niveau, ou même si vous êtes déjà professionnel, pour guider les autres. Voilà, c'est important, n'hésitez pas, hein, le partage et la communication. L'entraide, surtout dans des mondes comme celui comme le studio dans lequel on est, l'entraide est très importante. Ok. Ok. En espérant que j'ai pas trop écorché le nom du serveur. Frérot, laisse-moi vivre! J'anime mon stream! Bon. J'ai eu la réponse, du coup, tu peux le faire sans crainte. J'ai... Ah, il n'y avait qu'une. Ah oui, donc en fait, je suis juste niqué. Par contre, si mes armes sont dorées... Ah, je rends mes armes dorées. Ok. La go rend mes armes dorées. Je crois pas que ça change. Je pense qu'il y avait quand même... C'est mes propres pas, c'est chaud. Du coup, j'ai pas encore fait le chapitre 2, je suis refait, j'ai plein de trucs à faire encore. Mais le chapitre 2, bien sûr, c'est encore autre chose, le chapitre 2. Moi, je sais, enfin, le chapitre 2, c'est la bande-annonce, tout ça, c'est... Ça, on va le garder pour l'instant. J'ai pas de vie, j'ai rien, on va y aller très mollo. Là, à tout moment, on meurt sur un truc à la con. Demain, je t'ai toute la journée, 6h, 22h, nuit blanche. En vrai, je dis pas, hein, moi, c'est un genre de jeu. Si je pouvais, si j'avais la force et pas de boulot, en vrai de vrai, je passerais des nuits blanches en Pokémon Réunion, bien sûr. C'est un des rares jeux où vraiment je suis accro à ce jeu, quoi. Quoi? Oh la vache. Mitrailleuse, ça me fume, j'étais peut-être trop près. La sponsor alors que j'ai pas encore payé. De toute façon, retournons-nous bien qu'il n'y aura jamais à payer pour ça. Tu me diras le jour où on fera une quelconque sponsor, tu me diras, mais il n'y aura pas de paiement de ton côté, c'est juste, tu me diras comment tu veux que je tourne ça, quoi. Je peux tourner ça en intro de vidéo, quand je peux tourner ça en pub que je mets de temps en temps, c'est plein de choses. Qu'est-ce que tu m'envoyais comme lien? Laisse-moi vivre. Non mais... Pourquoi ça commence à faire des clips là? Après, il faut que je les. J'ai des compiles de clips à faire après. Frérot, hein. Laisse-moi vivre! J'anime mon stream! Ah oui, d'accord, je vois que j'ai exagéré un peu les meux. Ok, j'ai un peu exagéré les meux. Je reconnais. Ok. Bon, la partie tryhard, elle est finie. Maintenant, on va aller tryharder Pokémon, parce que bordel, c'est le meilleur jeu Pokémon qui existe. Donc, le post-game du chapitre 1 avec Everett, on va le faire dans 2-3 minutes. Temps de changer de titre et de mettre la perruque, parce que j'ai oublié de la mettre depuis tellement de temps. Faut vraiment que... Ma future soundboard.
Non, c'est quoi ça? C'est pas une... Je suis pas une soundboard vivante, dis donc. Attends, mettre la perruque, ça fait 2 semaines que je voulais pas mise, je crois, je suis une merde. C'est un oubli, hein. C'est pas que je veux plus la mettre, hein. C'est que j'oublie ce que je suis un connard. Donc je vous mets ça, les amis, et on se retrouve dans 2 minutes, le temps de changer de titre et tout ça. Le temps de la pause, les amis, à tout de suite.